boycott TF1. Je n'ai jamais allé jouer sur TF1. C'est ça, parce que là, tu me demandes ça à un moment où il y a eu un énorme débat, parce que pour une grosse émission sur les tubes des années 2000, la chanson la plus diffusée dans toutes les années 2000, c'est Tout le bonheur du monde. Ça fait des pieds et des mains pour les avoir, et qu'on a dit non. Ça met en rage et la maison disque et TF1, et tous les gens qui s'occupent de nous en disant « Putain, les ventes de l'album, vous vous rendez compte, il y a 10 millions de spectateurs, ouais, ouais, ouais. » En communication, sur le bon discours sans action. Le faire savoir, tu le savoir-faire. Le faire savoir, tu le savoir-faire. Et non, on les regarde faire. Moment qu'on se connaît. Vraiment, j'adore les gars. Donc, Danakit, c'est plus récent qu'on se connaît. Vraiment, pareil, j'adore ce que je vois se dégager de leur truc. Je parle pas tant musicalement qu'humainement. C'est des aventures qui ressemblent à la nôtre. En plus, je suis flatté parce que ce soit de l'un ou l'autre, aussi régulièrement comme référence, c'était flatteur pour nous. Enfin, ça touche. J'ai trop sensible, ça touche. Ouais, je kiffe la façon dont ces gens-là font le truc, comme nous, c'est-à-dire c'est des artisans de la zik. En ce moment, ça cartonne. Bah, profitez-en, les gars, faites-vous plaisir, régalez-vous, c'est mérité, c'est construit par la scène. Je me sentirai toujours mille fois plus proche de ce genre de groupe qui vient de la scène. Le plein de trucs beaucoup plus reggae, mais marketés ou machin. Voilà, c'est des vrais passionnés. J'adhère, 100%. Le bonheur du monde, c'est une chanson que moi j'adore, clairement. C'est une chanson que j'écris pour mes enfants, dans ma cuisine. C'est une chanson que j'ai pleuré plus d'une fois en écoutant Rick HD. C'est une chanson que j'adore. Cette chanson a eu un énorme carton. Elle est jouée en radio, etc. Les gens de notre public qui considèrent pour autant qu'on a changé, qu'on est devenu commercial, c'est ben, vous n'avez strictement rien compris à qui on était, ce qu'on fait, comment on le fait. Après, je comprends, hein, quand j'avais 15 ans, j'aurais pu avoir ce genre de raisonnement. Ah non, mais c'est surtout qu'à partir du moment où le morceau a été joué en radio, c'est putain, ils ont vendu leur âme. J'ai une tête à aller danser devant le programmateur d'énergie pour qu'il monte en radio, c'est pas moi qui décide, moi je m'en fous, j'étais en tournée. Après, est-ce que j'ai. Alors, même si d'ailleurs je n'ai pas le pouvoir, est-ce que je vais interdire à ces gens-là de jouer une chanson de CC? Évidemment que non. J'en suis fier, j'en suis content, ça permet à des gens de découvrir Tout le bonheur du monde après acheter un album et de voir que putain, c'est quoi ce truc, bienvenue en Chiraki, etc. Enfin, Thank you.
album, il y a un morceau qui s'appelle J'ai honte pour ma France. Je suis quand même fortement inspiré par le petit monsieur. Hein. On sent que ça. Il a un certain rôle dans ce ressenti. Lui directement, non, déjà pour. C'est con ce que je veux dire, mais Chirac. J'arrivais encore à rire de certaines choses. Chirac, sur Bienvenue en Chiraki, on parle du côté truand du jeune homme, donc j'en suis pas fier. Fier, je sais pas être fier ou pas, mais. On joue sur ce côté-là, sur le côté truand, etc. La Sarkozy, il n'y a vraiment rien qui me fait rire. Tout me fait vomir, tout me fait honte. Donc ça ne m'inspire pas le même. C'est pas pareil dans l'écriture, dans ce que ça peut inspirer. Ça m'a inspiré Gérard pour ma France, et. Malheureusement. Je suis halluciné qu'on soit là. Au bout de 20 ans, on va expliquer, on est habité le CM2 par exemple. Ben voilà, je suis juste. Je remercie tous ceux qui participent à ça. Je parle donc aussi de plein de gens que je connais pas, qui sont venus au concert régulièrement. Quoi. Je trouve ça hallucinant. Donc, c'est notre petit bonheur de l'année. Faites nos 20 ans, c'est ce que vous avez fait ces 20 ans. Je suis un habitué des lieux, je suis régulièrement jeté à l'œil. Continuez le taf, ça se régale. Bravo, merci.